Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un Mario Kart Chrono, un Time Trial sur Mario Kart 8 avec le beau gosse Donkey Kong sur la descente givrée. Ah, j'ai fait 1 minute 55, j'ai pas vu le développeur mais on s'en fout et on y va. Voilà. Donc la descente givrée est un circuit assez technique, surtout à un moment où on doit slalomer entre sapins. Ah, on fait presque du hors-piste, hein, c'est assez dangereux. Ah, quand même, faire du kart sur une montagne, c'est assez épique. Donc voilà, on commence, on est tout de suite balancé par un avion. Voilà, j'ai fait un petit cut ici, qui nous fait gagner pas mal de temps. Enfin, une seconde. C'est toujours bien, c'est la meilleure utilisation pour un champignon. Voilà, un cut ici, assez difficile à avoir. Ah, on fait normalement le circuit, en essayant bien sûr de prendre les tremplins bleus pour plus de vitesse, car oui, quand on est en mode deltaplane, on est plus rapide. D'anti-gravité, même si on voit pas, enfin, quoique là on voit la différence. Alors, on voit qu'on est traviole et là un raccourci assez bien caché. Voilà, on va en face, on prend le tremplin bleu et c'est nickel, ça va plus vite en essayant de bien tomber sur sur un rondin pour bien sauter, pour faire une acrobatie après et faire un petit boost. Voilà, je slalome les pièces, tout simplement. J'évite la pièce. J'ai rien à dire. Hein. Peut-être le plus possible d'acrobatie. Plus de vitesse. Voilà, là on voit une magnifique vue splendide de l'arrivée. On prend tous les anneaux qui sont très simples à prendre. Et un petit cut à la fin, assez classique. Il faut bien se coller sur la clôture, voilà. Se coller à la clôture pour pouvoir mieux tourner et pas perdre de vitesse. Bon, même si j'ai touché la clôture, hein, donc j'ai un peu perdu de vitesse, mais bon, à peine. Et puis ce time trial a été assez ardu à faire. J'ai mis pas mal de temps à le faire, même si j'ai pas mis tant de temps que ça. Pas autant que le circuit F0, là, le nouveau circuit F0. Qui est très dur, lui. Surtout un cut très délicat à faire. Voilà, comme d'habitude. Putain, gros bassin, je me suis pris une chauve-souris, j'avais pas vu ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de passages à prendre dans ce circuit. Enfin, surtout quand on est au niveau du hors-piste, hein, je dirais, entre guillemets. Quand on slalome les sapins. Et franchement, ce circuit est vraiment magnifique. Y a rien à dire. Il est très complet. Et en plus, c'est fait par section. Donc, bien sûr, le circuit est plus long. Au lieu que ce soit des tours, c'est des sections. Donc, comme je l'ai dit dans le vidéo test, que je vous conseille de le voir si vous n'avez pas vu. La vidéo test assez bien préparée. Et en direct live, donc voilà. J'avais plutôt bien joué. Enfin, moyennement, mais ça va. Et puis j'avais dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Mario Kart 8. Et donc je disais qu'il n'y avait pas assez de circuits à section. Et que hélas, même. C'était à l'époque où il y avait les DLC, ils n'étaient pas encore sortis. Donc même avec les deux DLC qu'on a eu, maintenant, il n'y a pas eu de circuit à section. Attendez, je réfléchis quand même. Je ne pense pas qu'il y ait eu des circuits à section. Non, c'était que les tours. Et je crois qu'il n'y en a que deux des circuits à section dans ce Mario Kart 8.
Peut-être que celui-là en fait. Non, il y en a deux, mais c'est tout. Alors que dans Mario Kart 7 sur 3DS, il y en a beaucoup plus. Il y en avait au moins 3 ou 4. Enfin, 3, c'était peu, hein, 4. Après, je pense que je vous ferai bientôt un vidéo test sur Mario Kart 7 sur 3DS. Car maintenant, j'ai un meilleur portable qui filme un peu mieux. Et je pense que ça va être passable hein, sur la 3DS. Ça va peut-être être ignoble comme avant. Donc bientôt sur la chaîne Oliver Flav, il y aura pas mal de vidéos tests ou enfin plutôt des vidéos tests sur 3DS. Bon, avec une qualité un peu pourrave, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, donc j'ai plus grand chose à dire. Là, c'est franchement, c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc, Donkey Kong va pouvoir se reposer parce que là, il n'en peut plus de faire trois fois d'affilée le circuit, surtout un circuit à section. Et en plus, il fait du hors-piste. Voilà, donc sur ce, je vous dis à l'arbre pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour de nouveaux Mario Kart Chrono.